Bonjour, vous êtes acteur et actrice et 2021 est passé à une vitesse folle. Moi personnellement, j'ai pas du tout vu l'année passer, c'est incroyable. Et bientôt, on arrive en 2022. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire en 2022 pour faire avancer votre carrière? Peut-être que vous êtes perdu, vous êtes démotivé, vous vous laissez porter peut-être, vous allez vous dire ah, bah, je vais me laisser porter parce que bon, on sait jamais, on sait pas ce qui va se passer et tout. Est-ce que pour l'instant, jusqu'à présent, vous laissez porter, ça a marché? Est-ce que ça a marché d'attendre que le téléphone y sonne, de dépendre de cette situation du Covid et tout ça? Sachez que pendant le Covid, il y a des gens qui ont réussi à faire avancer leur carrière parce que on avait des plans d'action. On avait des plans d'action et on a pris vraiment le taureau par les cornes. Donc maintenant pour 2022, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à prendre encore le taureau par les cornes pour justement passer au niveau supérieur de votre carrière parce qu'on a déjà perdu l'année 2020 qui était une année pratiquement blanche pour beaucoup de gens. Et vous ne pouvez pas continuer à vous laisser porter sans guide, en fait, sans plan d'action, sans feuille de route, parce que sinon c'est comme piloter un avion sans GPS. Vous savez où vous allez, vous avez une idée à peu près d'où ça se trouve sur la carte du monde, mais vous n'avez pas de feuille de route ni de GPS. Donc peut-être que vous allez y arriver, et je vous le souhaite, mais ça risque de prendre beaucoup de temps, surtout si en fonction de la route que vous allez prendre, ça peut prendre même quelquefois des années. Donc, nous, moi, ce que je peux vous propose, c'est justement de préparer ensemble l'année 2022 avec un plan d'action. Je vais vous expliquer comment un plan d'action peut être, à quel point ça peut être efficace. Je m'appelle Mi Kwan Lok, je suis comédienne réalisatrice, coach d'acteur et j'écris également. En 2018, j'ai quitté Paris pour m'installer à Los Angeles fin 2018. Et en moins d'un an, en fait, un an plus tard, j'ai été élue par une communauté d'artistes qui s'appelle Upstart. J'ai été élue artiste de l'année. Parmi en fait 1000 artistes de tout art confondu, donc il y avait des danseurs, des chanteurs, des peintres, des cinéastes. Vraiment tout corps confondu et qui venait du monde entier. Donc parmi ces 1000 artistes, ils m'ont choisi moi parce que justement, cette année-là, en 2018, j'ai fait beaucoup plus en fait, j'ai fait énormément de choses et j'ai été beaucoup plus productive que la plupart de mes housemates, pardon, je cherche le mot en français, de mes colocs, de mes colocataires ou de mes amis qui sont américains ou qui sont venus par exemple d'autres États ou d'autres villes des États-Unis, parce que j'avais un plan d'action, donc j'ai beaucoup plus travaillé qu'eux en 2018. Donc moi maintenant je vous invite à faire justement ce plan d'action ensemble. Et pour ça, en fait, je vous fais un cadeau de Noël à l'avance. Je vous propose 3 jours de challenge gratuit. Voilà, complètement gratuit. Donc, vous n'aurez rien à débourser. Les 17, 18 et 19 décembre, donc c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc, tous les soirs à 20h, on se retrouve sur Zoom. Voilà, ça prendra à peu près 1 heure, 1 heure et demie en fonction des questions et du nombre de participants. Et vous recevrez aussi par email en amont des fiches qu'il faudra compléter parce que chaque plan d'action sera forcément personnalisé parce que chacun d'entre nous est unique. Donc maintenant, c'est à nous de nous adapter à chaque personne. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je vous invite vraiment, vraiment à cliquer sur le lien parce que on ne peut plus perdre de temps, on ne peut plus se permettre de perdre du temps en fait. Même si on est jeune, les années passent à une vitesse folle. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, moi, je vous invite vraiment à venir à ce Zoom parce que vous n'avez rien à perdre. Voilà, vous avez tout à y gagner. Et en plus, si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Voilà. Donc, j'espère vraiment vous retrouver à ce challenge de 3 jours, les 17, 18 et 19 décembre, en cliquant sur le lien pour réserver votre place. À très vite. Ciao!